politique à moins d'un an des élections. Est-ce que vous avez décidé de votre participation aux prochaines municipales, monsieur Abad? La réponse, elle est claire. On est encore à 9 mois de l'élection. Toute l'énergie que j'emploie, toute l'énergie de mon équipe, c'est encore une fois jusqu'au bout. Ça sera de nous mobiliser sur la réalisation des projets que nous avons, les 130 projets et chantiers en cours. Je dirais simplement que en 2008, j'ai annoncé ma candidature au mois de janvier. Cette année, cette fois-ci, je prendrai ma décision plus tôt. Je la lancerai sans doute à l'automne. Soit je me présenterai, soit je ne me présente pas. Mais si je me présente, et si je serai candidat en 2014, qu'à 3 conditions. Celles que j'avais réunies en 2008. La première, c'est un soutien national de la droite et du centre sur ma candidature. La deuxième, c'est une équipe motivée, impliquée dans la vie locale. Ce n'est pas un shabada ou un méli-mélo de militants, de partis politiques. Ce sont des gens qui sont impliqués dans la vie Châtellerault-d'Aisne. La troisième, c'est de définir, de construire un projet pour Châtellerault sur ce deuxième éventuel mandat. Ça sera évidemment pas du tout la même chose. Le premier mandat, ça a été... J'ai pas peur des mots, de reconstruire Châtellerault. Donc on a maintenant, il faut imaginer autre chose, et c'est sur ce quoi on réfléchit aujourd'hui, d'ailleurs, indépendamment même de l'élection. Est-ce qu'une autre conseillère régionale peut être sur votre liste, Madame Véronique Abelin, par exemple? Je vais vous dire, je ne suis pas sûr d'être candidat, déjà, donc je ne vais pas répondre sur cette question. Ce que je peux dire simplement, c'est que elle a, à mon avis, tout l'avenir devant elle. Et elle est en train de faire ses classes à la région de manière très très active. Et je pense qu'elle a une qualité, c'est celle d'aimer les gens. Et elle est proche des gens. Et voilà, tout ce que je peux en dire aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, moi, mon souci, encore une fois, c'est de réussir ce qu'on a commencé.